Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir dans la miniature, une vidéo qui je pense va être vraiment spéciale. Il y a peu de temps, j'ai repéré mais vraiment une minuscule réserve incendie. Et là on y est, là on y arrive bientôt. Minuscule réserve incendie vraiment paumée hein, dans la cambrousse, à côté d'un petit chemin. Et le but, ça va être de voir si on peut faire du poisson là-dedans. Ça serait du pur délire. Donc on va s'approcher du spot. On va regarder le biotope, on va voir s'il y a de l'activité, s'il y a du poisson, et en fonction de ça, on va émettre notre petite stratégie. Voilà, juste le spot, il est là. Hop. Ah, il y a des trous dans la route, c'est des trucs de ouf. Voilà, c'est juste là. Hop. Juste là, ce petit machin. Là, je vais tourner. Voilà la toute petite réserve incendie. Hop, je vais sortir pour vous montrer. Tac. Hop, voilà. On va aller voir le spot. Vraiment, c'est vraiment tout petit quoi. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Toute petite réserve incendie. Voilà, l'eau est assez claire. On va s'approcher et j'ai l'impression que ça moucheronne un petit peu là-bas. On va vraiment s'approcher au bord, voir s'il y a de l'activité, s'il y a de la vie là-dedans. En tout cas, c'est vraiment spécial. Là. On dirait une eau de lac alpin. Alors là, je ferai un zoom. Il y a des sortes de petites ablettes. J'ai bien l'impression. C'est dommage, il faudrait un rayon de soleil. Il y a des petites ablettes qui passent. En fait, il y a vraiment pas mal d'herbiers. Et il y a des petites ablettes qui tournent et qui remontent de temps en temps en surface. Alors ça par contre, ça va être compliqué à pêcher. Le but, ce serait de voir si on peut pas, si on peut pas toucher du poisson un peu plus gros. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se demander comment ça se fait qu'il y a du poisson là-dedans, comment c'est possible. Et en fait, c'est des colonisations naturelles. Il faut savoir que dans la plupart des plans d'eau, même dans des machins tout petits comme ça et isolés, il y a des colonisations naturelles de poissons qui se font. Et ça par le biais de fossés, de ruisseaux, par les oiseaux, donc tels que les canards, dans les plumages ou dans les déjections qui vont en fait rapporter des œufs de rivières, de plans d'eau. Et en se posant en fait sur d'autres milieux, par exemple comme cette petite mare là, et ça va déposer des œufs et derrière ça va amener des poissons, etc. Et souvent dans les milieux qui se font coloniser, tout d'abord on va avoir des tout petits gardons, tous les petits poissons blancs. Et petit à petit il y a toute une chaîne alimentaire qui peut se créer si le milieu convient. Et petit à petit on va avoir des carnassiers, etc. Et ça peut aller jusqu'à du brochet et j'en passe. Mais vraiment sur un tout petit milieu comme ça, on va voir ce que ça donne. Il pourrait y avoir des grosses surprises. Et j'ai vu un truc intéressant. Je vous parlais de fossés et de ruisseaux pour la colonisation. Justement là. Juste là. Je vais vous montrer. On a une sorte de source en fait. Et ça coule comme ça. Ça coule. Et ça vient sortir. Ça vient sortir dans la petite mare. Donc c'est peut-être aussi par ici qu'il y a eu du poisson de déposé avec des inondations ou des gros courants. Alors du coup, maintenant on sait qu'il y a de l'ablette. Alors je sais pas si c'est de l'ablette ou du petit gardon, mais c'est qu'il y a de la vie. Donc il y a sûrement du plus gros poisson. Puis vu l'infrastructure, le grillage, et puis les arbres qu'il y a autour de la petite réserve incendie là, c'est que c'est en eau quand même depuis un certain moment. Donc on va se faire un petit montage, je vais prendre du 18 centième et puis au bout de ça un petit hameçon drop shot numéro 8. On va mettre quelques plombs et puis on va mettre au bout de ça, hop, un verre de terreau et on va voir ce qu'on peut toucher.
du coup j'ai pris l'ultra light, la 0,3 5 grammes. Toute la liste du matériel sera en description sous la vidéo pour ceux à qui ça intéresse. Puis là on va se mettre du coup un petit verre de terreau, on va bien enfiler l'hameçon et voilà, c'est bien enfilé sur l'hameçon, l'hameçon est bien caché. Allez, c'est parti pour pêcher cette minuscule réserve incendie. Déjà, le fait qu'il y ait pas mal d'herbiers, c'est plutôt bon signe. Au moins, ça fait des supports pour la reproduction des poissons. Après, il y a aussi des zones de cache l'été avec les branches. Et puis, il y a l'arrivée d'eau éventuellement là-bas qui serait intéressante de pêcher. Donc, j'ai bien l'impression qu'on peut se faufiler derrière. Donc, j'essaierai de pêcher aussi vraiment dans les branches. Et c'est dommage, si l'eau avait été plus claire, j'ai l'impression qu'il y a quand même du fond. Et bah, on aurait pu voir les poissons, ça aurait été vachement cool. Je vais lancer au bord des branches déjà. J'essaie de déplacer un peu mon verre, des fois qu'il y ait du gardon qui suit. Et là, il me semble que je vois un poisson mort juste là-bas. Je l'ai pas vu tout à l'heure, c'est bizarre. C'est un assez gros rotangle. Hein. Ah, c'est plutôt bon signe ça. Enfin, qu'il soit mort, non, mais au moins, il y a quand même du gros rotangle. Et c'est quelque chose qui pourrait se prendre au vert. Hop, ça c'est impeccable, ça s'ouvre. Je vais pas faire de bruit. Là, il y a un super spot, là. C'est compliqué. J'ai bien cru que j'avais un départ. J'ai un départ. Et c'est un... Oh! C'est un carpo. Il y a des carpes là-dedans. Oh, un magnifique carpo. Alors ouais, pour le coup, il est vraiment tout petit, mais... Oh, il est magnifique. Incroyable. On fait un carpo dans cette toute petite réserve incendie. Truc de dingue. Allez, mon beau. Allez. Juste dans les ailes là, c'est trop beau. J'aurais dû prendre une épuisette, mais je m'y attendais pas du tout. Bon, alors là je suis trop refait quoi, faire un petit carpo en plus. Il pétait la forme quoi, genre il était vraiment super beau, il était bien gras. Donc s'il y a du petit carpo comme ça, c'est qu'il y a de la reproduction, donc potentiellement de la plus grosse carpe. Le spot est bon, on va relancer, on va remettre un petit verre et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, c'est départ. Poisson. Oh. Oh oui. Hop. Oh, c'est plus joli. Ça commençait à être chaud là. Là, je vous avoue que ça commençait à être chaud. Hop, cliquez juste au bord. Hop là. On va la relâcher de suite. Mais. Waouh. Je vous dis, c'est hyper galère. Je suis désolé pour la manipulation du poisson, mais c'est hyper abrupt. Il y a sûrement d'autres espèces, peut-être qu'il y a du carassin, peut-être qu'il y a du chêne. Il y a sûrement, et ça c'est sûr, là j'en suis persuadé, c'est sûr qu'il y a de la plus grosse carpe. On ira voir, on ira essayer de se faufiler derrière les ronces, derrière, pêcher sous les arbres là-bas. Je pense que ça peut être pas mal. Là il y a le petit arbre, ça fait des zones de cache. Et puis là, il y a le petit ruisseau qui s'écoule. Ouais, départ là. Poisson. Oh là là. Ah, c'est un régal. Et c'est encore un tout petit carpo. Et là, je vous dis comme quoi, vraiment, dans une toute petite mare, toute petite réserve incendie,
Bah, on a une super population de carpes. Et la souche, elle est super belle en plus. C'est pas de la carpe atrophiée. Ça repart. Et là, je suis en train de me dire qu'il y a quand même une sacrée population. Hein. J'en enchaîne 3 à suivre. Ça part. Oh, il y avait gros poisson là. Là, il y avait gros poisson. Là, je vous jure que c'était pas du tout le même gabarit. C'est parti sous l'arbre et j'ai rien pu faire en fait. Et vaut mieux que ça s'est décroché. Hein. Parce que je pense pas que j'aurais pu sortir le poisson. Bon, bah là, petit changement de stratégie. Du coup, je vais être un peu plus lourd que le montage d'avant. J'ai mis une minuscule tête plombée comme ça. Je me suis pas fait chier. En vrai, j'avais un peu la flemme de refaire un montage. Donc on va voir si ça le fait. On va lancer là-bas. Là. Départ. Poisson. Oh, c'est génial, c'est génial. Encore un petit carpeau. Et ça le fait très très bien. Très très bien avec une tête plombée. On va essayer de monter en taille quand même. Ça serait bien. Vraiment, ils ont l'air d'être tous au bord de l'arbre. Ouais, départ. Poisson. Oh, décroché. Le truc, c'est qu'ils sont pas si faciles à faire. Faut vraiment lancer précisément bord des branches, quoi. Là, je suis pas mal, par exemple. Là, je pense qu'on va avoir un départ assez rapidement. Là. Ouais, ça y est, départ. Poisson, voilà. Oh, nouvelle espèce. Il est énorme, c'est un rotangle. C'est un rotangle. Oh, ce bœuf! Regardez, il a une malformation. Il a réellement une malformation. Regardez sa bouche. Mais c'est un rotangle. J'ai des grosses mains pourtant. Impressionnant. Il est énorme. Et j'en reviens pas à la malformation qu'il a. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'aller de l'autre côté, là où il y a le bouleau carrément qui est tombé, et ça va nous faire vraiment un bon spot pour pêcher juste devant, là, les spots intéressants, et pêcher les spots qu'on n'a pas fait là-bas. Il y a beaucoup de ronces. Et c'est là qu'on est content d'avoir du matériel très très léger comme ça pour pêcher ce genre de spot. Une canne très courte, et puis très légère, pour vraiment s'amuser sur des poissons qui sont pas énormes, mais c'est sûr que quand c'est un peu encombré comme ça, ça reste assez assez compliqué. Hein. Je vais me caler là. J'essaie de casser cette branche. Voilà. Là, on est vraiment bien placé. Ça part. Décroché. Ça partait bien là. Ah, j'étais sûr que j'allais être bien placé ici. Ça part. Poisson. Oh là 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 là. Je décroche encore, c'est pas possible ça. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment là je peux... ça part à une vitesse, je sais pas du tout ce que c'est, mais là c'est pas du tout on va dire des touches de carpeau.
Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Là, ça repart, là. Je vais laisser prendre. Là, là, c'est ferré, là. Oh! Oh! Alors là, c'est ouf, là. Une belle perche. Je vous avais dit que ça n'avait rien à voir. Bon, bah là, là, je suis carrément choqué. Je suis choqué de ce qu'il y a ici. Vraiment, je suis choqué. Elle est magnifique. Et en plus, c'est pas de la petite perche, quoi. Putain, c'est fou! Donc ça veut dire que le milieu, il est hyper sain, quoi. Il y a du carnassier, des herbiers, du poisson blanc. Ah bah là, je suis aux anges. Hein. S'il y a de la perche en plus. Vraiment. Ça, c'est le paradis, cette réserve incendie. Elle est magnifique. Magnifique perche. Allez hop, ça repart. Yes! Là, je vous avais dit que c'était pas du tout, du tout pareil comme touche. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. A voir après en termes de taille de poisson. Jusqu'où ça va. Allez hop, ça part. On a un poisson. Et c'est une perche encore. Une plus petite cette fois-ci. Mais c'est coffré. Bon allez, hop, je la relâche juste là. Ouais, vraiment ça aura fait la différence de vraiment d'avoir changé de spot. Quand j'étais ici, je sais pas pourquoi, je tapais que du carpo et arrivé là, je peux vraiment bien lancer au bord des branches quoi. Et à peine ça tombe que bah ça vient prendre quoi. Parce que là on fait deux perches, on fait plusieurs carpos, on fait un énorme rotangle. Je décroche un poisson qui était vraiment très très gros sous l'arbre. Donc il y a clairement moyen de se faire surprendre encore. Ça y est, ça part. Oh là là, je décroche. C'était pas mal. Et là, vraiment, je laisse la bannière complètement détendue et je vois le fil vraiment se retendre tout doucement ou très rapidement et là, boum, faut faire rire. Vu qu'il n'y a pas de vent, c'est vraiment optimal. Là, là, je suis pas mal du tout, là. Oh, poisson! Poisson en relevant. Ah bah alors là, c'est le plus petit des carpeaux que de la journée. Et ça fait plaisir, il y avait à moitié une baisse d'activité. Voilà, il est vraiment tout petit, hein. Il rentre dans le creux de ma main. Allez, voilà. Allez, hop! La tête la première, impeccable. Ah non, là, si je recasse, là, je rage. Bon, bah je peux rager. Bon, bah voilà, je m'en arrête là pour cette session. Alors là, j'ai pas été au bout de mes surprises tout au long de la session. Vraiment, c'était un pur kiff. Parce que sur ce genre de spot, t'arrives, tu sais pas ce que tu vas prendre. À chaque fois, ça va être un peu la découverte. Et de pêcher au vert comme ça prend souvent beaucoup d'espèces. Donc là, bah j'étais surpris d'abord par prendre des petits carpos. Vraiment, il y en avait plein et ils étaient en super forme. Après ça, je tape un gros poisson. Franchement, je pense que c'était une jolie carpe. Et elle se décroche sous l'arbre. Et ensuite, je tape un énorme rotangle. Vraiment, il était énorme. Et vers la fin de la session, j'arrive carrément à prendre une très très jolie perche. Et j'en reprends une deuxième, une plus petite. Et après, j'ai pas arrêté de casser. Il y a une baisse d'activité. Mais moi, je me suis vraiment régalé. Sinon, j'espère vraiment que t'as kiffé la vidéo. Vraiment dans ce petit côté découverte, esprit insolite. Et si ça te chauffe que je retourne une vidéo dans ce genre de spot, vraiment, vraiment assez inédit, assez spécial, en mode découverte, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Et si ça t'est déjà arrivé de pêcher bah, ce genre de spot en mode petite réserve incendie ou etc. Et si ça t'est déjà arrivé bah, de toucher des poissons assez spéciaux ou du très joli poisson, pareil, n'hésite pas à donner tes anecdotes en commentaire, ça pourrait animer la chose et je serais curieux de savoir tout ça. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Vraiment, encore une fois, je te le dis, si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à activer la cloche bleue et à t'abonner. Comme ça, on se retrouve pour sûr la semaine prochaine. Allez, ciao !